Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de ma femme, que vous avez déjà vue. Bon, elle sera toujours floutée parce que je veux pas qu'on sache à quoi elle ressemble. Et aujourd'hui, j'ai un ami à moi, j'ai des doutes. Ma femme, je la laisse plus avec aucun collègue à moi. Parce que ben, du coup, avec ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai plus confiance en mes amis. Et j'ai peur que ça se reproduise. Là, j'ai un ami à moi qui la connaît, à ma femme. Et j'ai quand même des doutes sur cet ami-là parce qu'il insiste lourdement pour voir ma femme. À chaque fois, il me dit ouais, je peux venir à la maison. Je dis oui. Dès que je dis que ma femme, elle est pas là, il me dit ah, ben finalement, j'ai autre chose à faire. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il veut plus voir ma femme que moi. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire croire que je suis à l'hôpital, dans le coma, entre la vie et la mort, et je vais laisser un micro à ma femme pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va aller voir ma femme? Est-ce qu'il va l'appeler? Est-ce qu'il va lui parler? Est-ce qu'il va essayer de la réconforter? Est-ce qu'il va venir? Enfin, plein de choses, les gars. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, ma femme, ben, elle va l'appeler, elle va lui faire croire que je suis à l'hôpital, et on va voir sa réaction, comment il réagit. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion, et bon visionnage à tous. Ciao. On va appeler mon ami, il s'appelle Quentin. Vas-y, appelle-le, mets-le au parleur, vas-y. Je trouve ça suspect qu'il soit pas plus affolé que ça, tu vois. Genre, qu'il n'ait pas posé plus de questions, comment c'est arrivé, tu vois ce que je veux dire. Il t'a pas dit, ouais, comment c'est arrivé, c'était où, quand, c'était où, tu vois ce que je veux dire. Elle n'a pas posé de questions, je trouve ça bizarre. Moi déjà, j'aurais pété un câble au téléphone, j'aurais pas été juste tranquille, ouais, je sors du travail, machin, bon bref. J'aurais demandé comment ça s'est passé. Non, il a rien demandé du tout. Et oui, je serais allé peut-être voir sa femme, mais si elle me dit non une fois, je vais pas insister. Lui, tu as dit non, tu as dit pourquoi faire. Et en gros, il te dit, ben, je vais pas te laisser seul et tout. Bon bref, vas-y, le bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Déjà, c'est suspect un petit peu. Donc, tu sais quoi, on va aller à la maison. On va attendre qu'il vienne. Je vais mettre une caméra cachée pas loin de la maison, genre pour qu'on le voit. Et quand il arrive. Non, mais quand il arrive, on se met à filmer. Bon, les gars, on est arrivé trop tard. J'ai déjà mon pote qui est arrivé. Déjà, il a une rose dans les mains. Il me semble que c'est une rose. Hein. Ouais, c'est une rose. Je suis pas en tout, moi, c'est pas moi qui ai mal, c'est pas moi qui ai un problème. Tu vas mieux
Mais pas du tout, en fait, vraiment. Genre, tu vas me laisser seule et je vais rentrer chez moi sans la rose et sans toi, en fait. En plus, toi, tu comprends pas ma réaction. Genre, je te jure, hein, il me disait, tu as vu, c'est pas exprès. Je le croyais pas. Mais en fait, je suis vraiment bête. Non, arrête, s'il te plaît. Oh, non, là, franchement, tu t'es très lourd. Mais je m'en fous, je veux être seule. Je veux être tranquille. Je suis pas bien, je veux être tranquille. Mais là, faut me débrancher, faut pas la journée, vraiment. Non, mais laisse-la bien, je te le dis. Merci. Je vais le suivre. Reste derrière, je vais faire le tour. Je vais arriver dans la rue de derrière et je vais l'attraper en face à face. Continue à le suivre, moi je vais de l'autre côté, vas-y. Putain, Quentin. Attends. Faut que je t'explique. Attends. De fou, Quentin, il m'est arrivé un truc de fou. Calme-toi, je vais bien. Ouais. Attends, je t'explique, tu sais ce qui m'est arrivé? C'est quoi? Frérot, t'as vu, je veux quitter ma femme. Mais c'est quoi, frérot? Mais j'arrive pas à la quitter, donc du coup, j'ai fait croire que j'étais dans le coma. Attends, écoute-moi, arrête, calme-toi, respire. Je sais, j'ai fait croire que j'étais dans le coma. Parce que je vais me tailler en vacances quelques jours, tu vois. Non, je peux pas, frérot, elle va le prendre mal et tout, je peux pas lui faire de mal, tu vois, je préfère lui faire croire que je vais mourir. Elle va le prendre plus mal. C'est pas grave, au moins elle sera célibataire. Je sais, c'est pas une femme pour toi, mais bon, j'aurais pas dû faire ça. Faut que je la quitte. C'est pas une fille pour toi. Tu mérites mieux. Moi, en fait, je te dis la vérité, j'ai pas les couilles de la quitter. Et pourquoi t'as pas les... Je sais pas, frérot, j'ai pas les couilles de la quitter, du coup, voilà. Donc tu fais comme si je t'avais rien dit, d'accord? Vas-y, c'est bon, fais comme ça. S'il te plaît, dis-moi que j'ai pas cru. Bah si. Tu y crois? Non, mais dis pas ça, Quentin, s'il te plaît, dis-moi que tu es réveillé un peu, que tu sais très bien que. Non, c'est pas possible. Mais tu es dans le coma ou tu es pas dans le coma? Mais t'es con, quoi, tu vois bien que je suis pas dans le coma, genre. Attends, alors ta femme, elle m'a dit que tu étais dans le coma. Quoi? Qui? Ma femme? Donc, tu as vu ma femme? Elle m'a appelé. Elle t'a appelé au téléphone? Oui. T'as l'air, je lui ai demandé, tu m'as dit c'est Olivier qui t'avait dit. Ouais, parce qu'Olivier, après, il m'a appelé. Ah. Donc, t'as vu ma femme au téléphone? Bah ouais, je me suis fait une école. T'es pas allé la voir? Bah non. Non? Non. Ok. Tu peux venir, Alex, s'il te plaît? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc de fou. C'est que j'avais des doutes sur toi. Je savais que tu kiffais ma femme. Bah non. Ah, donc toi, tu kiffes ma femme? Tu me prends pour un con? Bah non. Tu kiffes ma femme? Bah non, je kiffe pas ta femme. Donc, tu kiffes pas ma femme? Non, tu es fou. C'est ça? Tu es pas en train de brancher ma femme. Donc, les images qu'on a filmées, tu l'as pas branchées, c'est ça? Pour la consoler avec une rose, tu vas la consoler. Avec une rose, tu vas la consoler. Viens ici, arrête de partir en courant. Non, arrête, viens ici. Je vais t'arracher la tête. Ok. Je vais te niquer, je vais t'afficher sur tous les réseaux. Non, je vais t'afficher sur tous les réseaux. Non? Espèce d'handicapé de merde. Tu es un ami, toi? T'es un ami, de tourner quand on te dit que je suis dans le coma, mais pas je prends des nouvelles et tu vas brancher ma femme. Trop du coup, à vous, je vais te démonter. À vous. À vous. Oui. Et tu as fait quoi? Tu as branché ma femme? Bah oui. Donc moi, je suis à l'hôpital, toi, tu as branché ma femme? C'était pas méchant. Depuis le temps qu'on se connaît, tu as à fond sur ma femme en fait. En fait, c'est aucun de mes amis, c'est ça? Tous mes amis vont se taper ma femme en fait, frérot. C'est incroyable quand même, hein. C'est un truc de fou. Bon, regarde, on va faire simple. Je vais t'afficher sur internet parce que tu mérites. Je vais mettre ton visage, je vais mettre ton nom, ton prénom, ton. Ah non, si. Ah si. Excuse-moi, je te mets. Tu préfères une taquette dans la bouche? Fais ce que tu veux, mais pas ça. Je vais t'afficher sur internet, je m'en bats les couilles, frérot. Bah non. Si? Bah ouais, alors tu l'as pas affiché. Hein? Une petite sentence, frérot, à chaque fois que je fais des sentences, ils comprennent pas les gens. Faut que je te marre, moi. Bah non. Toi, faut que je te nique, en fait. Bah non. Ah, il est gentil, regarde. Trop du cul. C'est pas qu'il est gentil, frérot, c'est qu'il est peureux. C'est que c'est une trompette. C'est une trompette, frérot. Non. Si, je t'ai mis de taquet, t'as rien dit, c'est une trompette, frérot. Tu branches ma femme, tu dis, oui, je branche ta femme, trop du cul. Viens avec moi. On va te faire une petite sentence façon camouflage, Quentin. Hein? On va lui faire une sentence façon camouf, les gars, histoire qu'ils comprennent bien la leçon. Pareil, Quentin. Hein? Je te fais mal. Bon, les gars, cette vidéo. Oh, attends, s'il te plaît, je suis en train de faire l'outro. Tu peux fermer ta. Attends, mais tu vois pas, là, j'ai mal, hein? Ouais, bah écoute. Et plus de temps, tu me laisseras. Vas-y. Ouais, bah laisse-moi parler. Donc, les gars, vous aimez bien les vidéos, les sentences de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, les gars. Et comme vous savez, il y a toujours des petites sentences façon camouf. Et aujourd'hui, la sentence, ben on n'a jamais fait ça, j'ai eu l'idée comme ça m'est passé par la tête. Voilà, la sentence,
Kamoff. Donc on a mis un petit balai derrière le bras, tout le long du bras comme ça, et on a scotché et on l'a mis derrière le poteau. Voilà. Donc frérot. C'est de sortir, vas-y. Bon, je vais te laisser comme ça parce que tu vois, je croyais que tu étais mon ami. Merde. Par contre. C'est quoi ça? Ça c'est le petit plus. Non, c'est quoi ça? Le petit plus Kamoff. C'est quoi ça? On appelle ça du poil à gratter. Non, ça va gratter là. C'est dur de d'avoir du poil à gratter sans. Anthony. Tu veux pas? Non, non, trop tard. Les gars, Oula. Ouais. Ah, ça fait bien. Ah. Bon, tu vas recommencer ou quoi? Non. Regarde-moi. Non. Ah, je te gratte. Non, j'arrête de gratter. Non, je te gratte, regarde-moi. Calme. Attends, respire. Est-ce que tu vas... Ça doit être horrible. Il pleure pas, je gratte. C'est horrible. Yeah. Ça va recommencer ou pas? Je préfère que je te détache. Mauvaise réponse. Non. Au revoir, Quentin. Quentin, adieu. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale et le dimanche à 18h sur la chaîne secondaire. Comme vous le savez, elle s'appelle Kamoff TV. Si vous ne la trouvez pas, c'est que vous êtes des aveugles parce que tout le monde la connaît. Bref les gars, comme vous l'avez vu, donc ça c'est plutôt mal fini pour lui. Morale de l'histoire, ne laissez pas traîner vos femmes avec vos amis, même si vous avez confiance. À partir du moment où c'est un mec, vous savez que les mecs, ils pensent pas avec leur cerveau, mais avec leur bonne soirée, bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao.